Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Supreme Commander et aujourd'hui nous attaquons à la cinquième mission de la campagne de FTU. L'avant-dernière mission qui s'intitule Opération Forge. Et je veux m'excuser pour la mission d'avant qui s'appelle, c'est pas Opération Vaccin, c'est Opération Vaccin. Excusez-moi. Je voulais corriger le nom, ça arrive parfois de m'aglier à des jours comme ça. Allez, je vous laisse avec le briefing, on se retrouvera tout de suite après. La fin approche, capitaine. Nous sommes sur le point de perdre tout ce qu'a toujours défendu la FTU. L'unité, l'ordre et la pérennité de notre existence. Si nous échouons, la galaxie tombera aux mains de détraqués et de terroristes. Nous ne pouvons pas le permettre. Général ? Les Aeons contournent nos lignes défensives et le virus Cybran perturbe nos portes quantiques. Les données obtenues sur Minerva ne sont pas suffisantes. Nos techniciens ne pourront pas isoler et neutraliser le virus à temps. Nous avons déjà perdu les systèmes Eridani, Pollux et Céton. Plus d'une vingtaine de batailles font rage contre les Aeons. Et des cellules dormantes symbiontes fomentent des révoltes dans presque toutes les villes. Tous les commandeurs disponibles doivent participer. Et franchement, ce n'est pas suffisant. Nous perdons. Notre seule option consiste à déployer le projet Soleil Noir avant que le Cybran parvienne à infecter tout le réseau des portes. Le Soleil Noir utilise les portes quantiques pour amplifier et déclencher une onde de choc n'importe où dans la galaxie, détruisant n'importe quelle planète. Les derniers composants du Soleil Noir sont préparés sur Piscis 4. Assurez-vous que ces composants atteignent la Terre. La porte de Piscis a été isolée du réseau et les techniciens m'assurent que cela fonctionnera. Sans le Soleil Noir, nous n'avons aucune chance de gagner la guerre infinie. Notre seul choix serait de déployer l'option zéro. J'espère que nous n'en viendrons pas là. Notre sort est entre vos mains. Allez, c'est parti pour une mission la plus dure, l'une des plus dures en tout cas je pense, de la FTU. Bah, vous comprendrez très vite pourquoi, de toute façon. Capitaine, votre objectif principal est de protéger les laboratoires de recherche et d'assurer le retour des composants du Soleil Noir sur Terre. Utilisez tous les moyens nécessaires pour protéger ces éléments. La défense locale est sous vos ordres. DERCOM terminé. Toc. Alors, faut très vite. Alors. Robot en ligne de production infinie. Robot en ligne de production infinie. Ça, ce sera pareil pour toutes les bases. Alors, générateur de bouclier. Gao, c'est que des. Bouclier tech 3, ça prend du temps à être construit mais c'est pas grave. Ici, hop, hop, hop. Alors, les robots tech 3 sont nos robots les plus puissants qu'on dispose dans notre arsenal. Je m'excuse d'être assez rapide mais je n'ai pas que soi. Putain, mais lui il bloque en plus. Toc toc, SA de demi, je peux pas l'améliorer plus. Quelques défenses seraient bien vues. Alors là vraiment, ce qui est important, c'est de très rapidement produire énormément de troupes. Alors nos robots de combat sont nos meilleures unités de combat au sol, hors prototype. Et on va en abuser énormément. Alors, production des missiles missiles stratégiques seront très utiles aussi. Commandeur, nous avons confirmé la présence des Aeons sur P6-4. Je répète, les Aeons sont déjà sur P6-4. Préparez-vous à un assaut ennemi. DERCOM terminé. J'ai encore des freezes, je sais pas pourquoi. Ah, je sais d'où ça vient. Je pourrais pas corriger ça à moins de quitter le jeu et de le relancer. On verra bien si c'est
J'irai un peu pas. Mobiliser tout de suite. Voilà. Alors, artillerie de Tech 3. Bah, en gros, vous avez en Tech 3, vous avez des robots de siège Tech 3 pour une faction plus de artillerie Tech 3. Voilà, voilà. Parfait, magnifique. Toi, tu es passé Tech 2, Tech 3 tout de suite. Eh merde, excusez-moi. Stop. Pas assez d'énergie pour faire. Vite. Faut protéger, je crois, 90% de la. Je crois qu'il faut protéger 90%, je crois. C'est ça. Alors, l'ennemi a une immense base ici en fait. Je sais que les troupes adverses viennent d'ici. Si je peux faire un générateur Tech 3, ça m'arrangerait. Voilà. Après, faut pas oublier que ça consomme aussi de l'énergie, mes boucliers sur mes mini-robots, donc ça à prendre en compte, ça. D'ailleurs, j'ai pas un petit... parfait, lui. Ah ah! Arme nucléaire. Lancement stratégique détecté. Voilà. On rigole plus. Il y a déjà de base ici un missile... anti-missile stratégique, donc c'est bon, mais bon. Il va l'intercepter par cette défense là. Ils vont essayer de me nuquer un peu tout. Voilà. Commandeur, nous avons du nucléaire en approche. Attendez, le système de défense antimissile stratégique préétabli l'a abattu. Vous ne faites que repousser l'inéluctable. Arnold ? La force est infinie. Capitaine, nous ne pouvons pas perdre les laboratoires de recherche. Vous avez été autorisé à recevoir le modèle de la défense antimissile stratégique de Tech 3 anti-atomique. Une fois construit, elle détruira les missiles nucléaires approchants. Terre-com terminé. Au moins deux des laboratoires de recherche doivent subsister. Vous n'avez que quelques minutes avant la prochaine salve des Aeon. Le temps joue contre vous. Si, il y a une base à droite. Alors. Je crois que ma caméra s'est déplacée. On s'en fiche. Ouais, j'ai dû déplacer légèrement ma caméra. Alors, à droite, là, je lance un assaut assez massif. Ne restez pas à côté des... fabrication de masse. Une explosion très volatile, je vais vous trouver. Voilà. Voilà. Cette base là, je la détruis assez facilement, ça fera des troupes ennemies en moins. Allez, c'est... voilà. Il y a trois bases en tout. Voilà.
Parfait, à base de droite va être anéanti. Ici on va stopper la production des troupes plus là. En fait j'ai dépassé ma caméra et je sais pas comment on fait pour avoir une salée. Les Aeons ne doivent pas pouvoir utiliser ces lance-missiles stratégiques. Détruisez-les. Voilà. Ça serait bien qu'on puisse sur d'autres générateurs de Tech 3. Donc ici c'est bien, il va me construire d'autres extracteurs de masse, même ces extracteurs de base de niveau 1 on s'en fiche, enfin au niveau 2 je veux dire. Là c'est une assaut assez massif, donc il faut que je me mettre derrière mes défenses et que je lance l'assaut. Voilà. Derrière, il y a l'artillerie au milieu. Il y a énormément d'artillerie. Commandeur, il faut activer ces défenses antimissiles stratégiques dès que possible. Je peux pas y construire plus vite que là. Voilà. Même mes défenses de Tech 2 sont plutôt efficaces, hein, les défenses de base, faut pas les sous-estimer. Le simple fait d'avoir autant de... Ouais. Pourtant c'était pas gagné, hein, cet affrontement, si vous voulez mon avis. Après, toi, tu me feras quelques... Ouais. Alors, je lance un assaut ici. Ouais, c'est une base aérienne, c'est bien ce que je pensais. J'avais un doute que ce soit une base aérienne. Chasseur, voilà. Voilà. Une fois leur défense au sol détruit, voilà. J'admets que j'ai pas beaucoup d'ingénieurs, hein. Ça c'est. Mais bon, j'ai pas le choix. Si jamais quelqu'un sait comment on remet la caméra par défaut, j'ai jamais réussi à trouver un raccourci. Donc j'ai joué avec la caméra comme ça, un peu décalé, j'aime pas, bon, je vais avec. Hein. Donc là j'ai dégommé une usine terrestre. D'autres têtes nucléaires arriveront bientôt. Il nous faut ces DAS. Je peux pas construire des DAS. Voilà. Voilà. Plus 3 usines aériennes en moins, 2 usines terrestres et 3 usines aériennes en moins. Plutôt un bon nombre, si vous voulez mon avis. Toc, on va enlever l'ordre de construction infini. Toc, toc. Je crois qu'il était atomisé, oui. Ouais. Bon, ça va ici, j'ai déjà une défense de Tech 3. Hein. Ça coûte combien pour avoir l'énergie en plus là? Je vais faire ce qui me rapporte plus de ressources.
vais stopper un petit coup la production de robots. C'est peut-être pas la meilleure des idées que j'admets, mais j'ai besoin de. Ouais. J'ai une bonne petite armée là. Commandeur, il faut activer ces défenses antimissiles stratégiques dès que possible. Parce qu'une fois qu'ils sont construits, il faut ensuite construire les missiles de protection. Que j'automatise personnellement, comme ça j'en ai toujours un peu en rab. Vous voyez, vous faites un clic droit sur le bouton Y, ça sera automatiquement jusqu'à remplir entièrement ici. C'est pareil pour les lance-missiles, etc. Enfin, pour les lanceurs de missiles, c'est exactement le même principe. Enfin, je suis assez étonné que ça se passe aussi bien cette mission. Du coup, j'ai dit ça. Vos défenses ne nous arrêteront jamais. Les forces des Ion s'emparent de la galaxie. Zach ? Bonjour, général. Mais vous aviez été tué sur Matar. J'ai été libéré sur Matar. J'ai vu les erreurs de mon passé. Ces monstres vous ont lavé le cerveau. C'est votre cerveau qui a été lavé. À force de croire à tous les mensonges de la FD. C'est vous. Capitaine, éradiquez le commandeur Ion. Votre confiance envers le soleil noir n'est pas justifiée. Il ne tirera jamais. J'y veillerai. Voilà. Lancement stratégique détecté. Je sais plus les tirer où sur. Le problème c'est que je peux pas aller plus vite. Après si vous détruisez un labo, vous pouvez pas. Ouais, ils ont 19 000 PV quand même. Oh voilà, à droite. Je peux pas le protéger. Tant pis. Voilà. Les autres auront le temps d'avoir leur ogive, mais pas Sun. Ouais. Capitaine, d'autres têtes nucléaires arriveront bientôt. Il nous faut ces DAS dès que possible. Et je crois que j'ai perdu trop de villes aussi. C'est pas grave pour les objectifs secondaires. Ouais, c'est ça. Faut réussir à développer 3 défenses stratégiques. En difficile, ne pas y arriver, c'est normal. Faites-moi confiance. La difficulté, c'est en grande raison à cause de la difficulté qu'on peut pas y protéger. Autant si je suis en normal ou en facile, j'arrive à y protéger. Bon, j'admets aussi que d'habitude, je construis aussi un. J'ai deux. Commandeur, une importante force Aeon arrive sur votre position. Percom terminé. D'accord. Ça va pas être assez. Oh, ils ont de l'artillerie lourde. Il faut nous voir. Bon bah tant pis pour la ville. Hein. C'est le jeu. Le commandeur Aeon possède toujours ses missiles stratégiques, commandeur. Vous devez les détruire dès que possible. Ah, mais sauf que mes lanceurs stratégiques ont maintenant des quarks possibles. Il n'y a plus d'essence ou quoi? Pour être aussi lent. Ouais, ils doivent plus avoir de carburant dans ces bombardiers. Ils doivent avoir énormément d'artillerie lourde par contre. Ouais, bombardier stratégique, c'est ça, y a plus d'essence.
suis pas sûr de remporter cette bataille. Par contre, lui faire mal, ça, je pense que j'en suis largement capable. Mais voilà, c'est bon. Tant que je suis dans l'artillerie, c'est bon. Compte, c'est que tant que je reste dans l'artillerie, c'est bon en fait. Voilà, c'est bon, je la gagne. Alors, je suis resté en dépassement pour que les tirs d'artillerie lourde évitent de faire trop de dégâts à mes troupes. Hein. Cet objectif initial, ça a bien marché, ça a bien payé, donc je suis satisfait de moi. J'aurais été plus satisfait si j'aurais perdu aucun abo, mais... Mais bon, parfois on peut pas avoir tout ce qu'on veut. Je vais construire des... Votre sort est scellé. Voilà, j'ai perdu un petit nombre de matériel, mais c'est pas grave. Et je vais vous montrer comment produire des ressources en grande quantité, pas forcément de l'énergie. Vous faites ça pour avoir plein de masse, vous faites comme ça. Voilà. Voilà. Je viens de vous présenter comment produire énormément de masse en... Avec les bonus de connexion que vous avez, en fait, ça va consommer un peu moins de 10 000 d'énergie. 8 extracteurs de masse plus les 4 générateurs. Si vous rajoutez des boucliers, vous allez consommer plus de ressources que ce que vous pourriez normalement avoir, mais bon... Il n'y en a pas question actuellement. Voilà, donc là on va lancer un assaut ici pour dégommer une partie de la base. On peut pas dégommer d'un coup, je pense, avec un assaut. Il m'en faudra sûrement deux ou trois. Par contre, c'est dommage pour l'arme nucléaire, mais bon, c'était prévisible. Voilà, le problème c'est qu'il va après regrouper ses troupes. Sa base principale est ici. Là, à défaut d'être sûr de dégommer sa base, je vais plutôt être prudent en rasant tout ce qui est utile à raser, hein. C'est-à-dire les ressources, etc. Voilà. Devant, il y a la production d'unités terrestres, derrière la production d'unités aériennes. Les Aeons sont toujours dangereux sur le plan nucléaire, commandeur. Je suis au courant. Vous devez détruire leur site nucléaire pour préserver les laboratoires de recherche. Percom terminé. Il me faut que je prévoie tout ça. Donc là, vous allez voir que 1218 x 8 ça fait 9800 et des poussières peut-être 9900. Donc au final, avec cette technique là, vous gagnez donc 24, 48, 96, 192 de masse en plus pour en gros 0 d'énergie en plus. Pratique, hein. Pensez à mettre de l'artillerie sur la ligne de front. Pour justement pouvoir contrer leur artillerie, hein, avec votre ligne défensive.
ce qui fait que pourquoi vous remarquez qu'il y a toujours avec, globalement j'ai autant de troupes voire un peu moins que lui, j'arrive à le battre parce que lui il y a des troupes d'artillerie, des troupes autres que des robots tech 3. Donc moi je vais vraiment dans le tas pour tout détruire. Excusez-moi. Et c'est pour cette raison là que je m'en sors si bien en fait. Bon par contre, ce défaut de ce système là, c'est que c'est ultra volatile, donc faut vraiment bien le protéger. Donc généralement, vous rajoutez quelques boucliers en plus qui fait une consommation d'énergie supplémentaire à ce qui est à base prévu. Mais ça en vaut vraiment la chandelle. Donc j'ai 27 robots, je vais faire un assaut sur reflant. Enfin, sauf s'il y a ça qui vient déranger. Voilà. Voilà, les boucliers sont en train de tous être créés. Bon, là, j'ai plus. Honnêtement, les missiles stratégiques, je n'ai plus peur du tout de ça. Parce que. Je suis globalement couvert. Avec celui-ci, j'aurais couvert le reste de la ville, mais. Tant pis. Hein. Le commandeur Ion possède toujours ses missiles stratégiques, commandeur. Vous devez les détruire dès que possible. Derrière.